Le canola, qui est une invention canadienne, est une plante oléagineuse à fleurs jaunes. C'est trop proche, reculez un peu. Et voilà. Qui est utilisée pour produire principalement deux produits, l'huile de canola ainsi que le tourteau de canola. Sa période de croissance est d'environ 100 jours. Les agriculteurs achètent les graines de canola traitées pour prévenir les dommages causés par les insectes et les maladies. Les producteurs font l'analyse du sol tôt au printemps pour vérifier son niveau d'humidité, ses nutriments et sa température avant la plantation. Le canola est semé et fertilisé au mois de mai normalement. Les agriculteurs travaillent avec des agronomes pour déterminer la quantité nécessaire d'engrais chimiques pour la croissance. Un semoir est utilisé pour planter le canola directement dans le champ de l'année précédente. Cela réduit l'érosion et conserve l'eau et la matière organique du sol. Tous les ans, il y a une rotation des semences cultivées dans un même champ. Cette pratique aide à prévenir les maladies, les mauvaises herbes, la présence d'insectes nuisibles et celle des rongeurs. L'utilisation de technologies de pointe telles que le GPS ainsi que l'utilisation d'un plan de culture aide le producteur à mieux planifier l'application d'engrais ainsi que l'utilisation de produits de protection des cultures. Voici les différents stades de croissance du canola. Le canola ainsi que d'autres plants dépendent d'insectes utiles tels que les abeilles et autres pollinisateurs pour leur croissance. Un plant de canola produit environ 60 à 100 cosses par plant et chaque cosse contient entre 20 à 30 graines. À l'automne, on sait que le canola est prêt pour la récolte lorsque toutes les cosses sont de couleur jaune dorée avec des grains bruns à l'intérieur. Pour approfondir vos canosens, consultez le learncanola.com.